invité à Tchekwa le 1er juillet. You are invited in Tchekwa the 1st of July. Une invitation spéciale. A special invitation. Le premier jour. The first day. Tout le monde doit être là. Everybody should. Dieu va descendre. On ne va même pas prier. Dieu lui-même va venir. God will come down. We are not going to pray. God himself will come. Dès que tu arrives. As soon as you arrive. S'il n'y a pas de chant, tu entends ton chant, tu commences even à danser. No song, you start singing. Mais tu vas trouver des chanteurs. And you will find, but you will find singers. Sois béni. Be blessed. Que rien ne t'empêche d'être là-bas. Let nothing prevent you from being over there. Le soleil, la pluie, ça sun, c'est rain, des petits problèmes. Small matters. Certains ont déjà inventé la formule. Ils ont construit les baraques. Some have already invented the formula. They have built house. Pour contourner l'obstacle de l'agent de transport. To turn beyond the obstacle of lorry face. Ils vont vivre là-bas pendant 40 jours. They will et live même plus. Over there during 40 days or more. Pour ceux qui n'ont jamais été là-bas. For those who have never been there. La nuit. In the night. Les frères sont en prière. Brothers are praying. Ils constituent des groupes. They make groups. Eux-mêmes. Themselves. Selon les fardeaux. According to the burdens. Certains se regroupent en famille. Some gathered in families. Pour prier et libérer leur famille. To pray and to release the families. Il y a des démons qui se manifestent la nuit. There are demons who show up. Ils sont chassés. They are casted out. Donc il y a là-bas puissance 24 heures sur 24. So there is over there power. 24 hours upon 24 hours. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. C'est là-bas que tous les faibles deviennent forts. It's over there that all the weak ones become strong. C'est merveilleux. It's marvelous. C'est merveilleux. It's marvelous. Il faut que tu y sois. You must be there. Si tu as un don. If you have a gift, l'argent, money, il faut donner. Give it. Dieu nous a vus. God has seen us. Il a cru en nous. He believed in us. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un fleque-fleque en mission. He cannot send a weak one on mission. Regardez depuis l'Ancien Testament, les Abraham, les Moïse. Watch since the Old Testament. Et tous ces prophètes étaient des missionnaires. All those people were missionaries. Et regarde. Le Messie lui-même. And watch and see the Messiah himself. En mission dans un monde obscur. On mission in a dark world. L'apôtre Paul dit. Apostle Paul says. Il est venu nous délivrer du présent siècle mauvais. He has come to release us from the current bad century. Il entre dans le monde. He entered the world. Il trouve les esclaves. He found slaves. Il brise leurs chaînes. He broke the chains. Il dit, allez. And say, go. Vous êtes libre. You are released. Acclamons pour lui. Let's clap for him. On y va. We are going there. Avec les idoles déracinées. With the idols uprooted. Quand tu renverses les idoles. When you overthrow the idols, tu es en train de revenir au premier amour. Il y a des gens qui ne savent pas comment revenir au premier amour. You are coming back to your first love. There are people who don't know how to come back to the first love. Quand ils lisent Apocalypse, when we read the Revelations, ils remarquent que Dieu insiste qu'on revienne au premier amour. They notice that God is insisting so that everybody come back to his first love. Certains multiplient les œuvres pensant que c'est ainsi qu'on revient au premier amour. Some multiply their deeds, believing that is the way to come back to the first love. Le raccourci. The shortcut. C'est le renversement des idoles. Is the overthrow of idols. C'est l'idole qui enlève le premier amour. It's the idol which remove the first love. Dès qu'elle est renversée, le premier amour est restauré. As soon as it's overthrown, the first love is restored. Donc, renverse. So overthrow it. Et il y a certaines vertus.
And there are some virtues qui permettent de conserver la victoire. Which allow you to conceive, to keep the victory. Et de continuer la marche dans la lumière de Dieu. And to continue the walk at God's light. Et dans la transparence. And into the transparency. Parce que la volonté de Dieu, because the will of God, c'est que ses enfants marchent dans la lumière. Is that his children walk in light. La délivrance peut être un acte ponctuel. Deliverance can be a plan. Mais la marche établit la constance et le progrès même dans la constance. Ou alors la constance dans le progrès. But work set the constant in the progress. Ce soir, tonight, nous allons examiner une de ces vertus. We are going to examine one of these virtues. La transparence. Transparency. Et pour parler de la transparence, to speak about transparency, nous allons parler de la dissimulation. We'll speak about dissimulation. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lis pour nous. Read for us. Proverbe 26, 26. Proverbe, chapter 26, verse 26. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Amen. Galates chapitre 2, le verset 13. Avec lui, les autres juifs usaient aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Amen. The other Jews joined him in his hypocrisy, so that by their hypocrisy, even Barnabas was led astray. Amen. 1 Pierre 2, verset 1. 1 Peter 2, verse 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Amen. Therefore, rid yourself of all malice and all deceit, hypocrisy, envy and slander of every kind. Amen. Amen. Vous notez ceci. Write this down. La dissimulation est le vice. Hypocrisy is a vice. La dissimulation est le vice. Hypocrisy is a vice. Ou l'action de celui qui cache ce qui existe. Or the action of the one who hides something. Ou celui qui cache ce qui ne devrait pas être caché. Or the action of someone who is hiding something which should not be hidden. Quelqu'un qui cache quelque chose. Someone who hides something. Dans le passage de Proverbes. In the passage of Proverbs. Il est dit, s'il cache sa haine sous la dissimulation. If he hides his hatred by hypocrisy. Le cœur est rempli de haine. The heart is filled with hatred. On dissimule. You hide it. C'est-à-dire on pose des actes qui trompent les hommes. It means that you do things that deceive people. Qui te font paraître devant les hommes comme un homme bon. Which makes you appear before people like a good person. Tu dissimules la violence. You are hiding violence. Quand on est un dissimulateur. When you are an hypocrite. Il est impossible d'être juste et transparent. It's impossible to be righteous and transparent. Il est impossible de faire une bonne repentance. It's impossible to do a good repentance. La vraie repentance est un acte de lumière. True repentance is an action of light. C'est un acte à travers lequel on passe des ténèbres à la lumière. It's an action through which you pass from darkness to light. Ça ne peut jamais sous-entendre l'obscurité. It can never be here mean. Jamais. Darkness, never. Nous avons des problèmes. We have problems. Avec certaines personnes. With some people. Pourquoi? Why? Ils n'aiment pas le brisement des liens. They don't love, they don't like the breaking of evil ties. Parce que surtout cette affaire de briser les liens avec les partenaires sexuels du passé. Mainly this matter of breaking the ties with the sexual partners. Ça expose les choses qu'on a dissimulées depuis. It exposes things which are hidden since long time. Donc, si tu es ministre de délivrance, so if you are a minister of deliverance, soyez intelligent.
Be intelligent. Rassurez les gens. Ensure people. Que vous n'allez pas publier à la RTVC. That you are not going to publish to RTVC. Surtout mainly dans les églises. In the churches. Il y a des vols d'argent, des adultères, des fornications dissimulées. They steal money and they hide it. Si tu dis à quelqu'un remplis ton cahier, ça fait six mois, il écrit une phrase, il s'arrête. Il faut commencer à prier. You tell someone fill your book and it takes 6 months. He writes a sentence and he stops. Un dissimulateur est un grand hypocrite. Someone who hides things is a big hypocrite. Quelqu'un qui commet l'adultère. Someone who commits adultery. Ça fait un péché. It's a sin. Il dissimule l'adultère, ça fait deux péchés. He hides it. It's two sins. Il avait l'adultère, il a dissimulé. There was adultery, he hides it. Ça lui fait déjà deux grands péchés. It makes two cases of sins. Pour se repentir. To repent. Il confesse la dissimulation. He must confess the fact that he hidden it. Et il l'abandonne. And he forsake it. Et puis il confesse l'adultère. And then he confess adultery. Il l'abandonne. And he forsakes it. Dans le cas de Proverbe 26:26. In the case of Proverbs 26:26. Tu confesses la dissimulation. You confess of having hidden things. La haine apparaît. Donc c'était caché. And hatred appears. Après tu confesses la haine, tu abandonnes. It was hidden. Later on, you confess hatred. Tu es délivré. And you forsake it. And you are delivered. Tu es béni. You are blessed. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Certaines personnes ont été, je ne peux pas dire qu'ils sont choqués, se demandent pourquoi je dis toujours que je n'étais pas très fort dans le jeûne. Pourquoi je dis ça? Some people are moved by the fact that I'm used to say that I was not strong in fasting. They say why I que say mon that. Mon premier jeûne de 21 jours, j'ai regardé les objectifs de maman Colette. Elle avait mis 21, moi j'avais mis 14. J'ai dit, and that, ah, vraiment, j'ai changé rapidement. And that I said that my first fast of 21 days, I watched the book of Sister Colette. I planned 14 days, and when I saw she planned 21, I corrected mine. L'orgueil peut t'entraîner dans la dissimulation. Pride can lead you to hide things. Pour rien, tu meurs dans le péché. For nothing, you are walking into sin. Quand j'enseigne au collège pastoral, à l'académie, when I teach at je rends d'abord mon témoignage. I first give my testimony. Je leur dis comment j'ai cru. I tell them how I believed. Comment j'ai lutté avec le péché. How I fought with sin. Comment j'étais tombé. How I was down. Comment with j'avais sin. Tenté de cacher. How I tended to hide it. Comment le Saint-Esprit m'avait obligé de faire de la repentance en public. How the Holy Spirit forced me to repent publicly. Et comment j'avais expérimenté la délivrance du péché. And how I experienced the deliverance from sin. Je leur dis que quand je luttais avec les émotions. I told them that while I was fighting with my emotions. J'ai partagé avec le frère Zach. I shared it to Brother Zach. Il m'a enseigné certaines choses qu'il n'a jamais enseigné aux autres. He taught me some things that he had never teach someone. Si je peux être au nombre de ceux qui peuvent dire que je n'ai jamais commis l'adultère, c'est grâce à la transparence. If I can say that I am among people who have never committed adultery, it was thanks to those teachings. Tu caches. You hide. Personne ne peut t'aider. No one can help you. Je me souviens à l'aéroport, il a dessiné un grand cercle. I remember at the airport, he drew a big circle. Et à l'extrémité, en fait, aux extrémités, il a mis deux petits cercles. And at the end, he put two small circles. Aux extrémités du cercle. To the two hands.
hands. C'était comme une grosse tête avec deux oreilles. It was like a big head with two ears. Il m'a dit, tu sais. He told me, you know. Le monde. The world. A des méthodes pour développer l'intelligence. Have methods to develop the pour intelligence. Pour instruire. To instruct. Mais il n'y a rien dans le monde. But there is nothing in the world. Pour développer les émotions. To develop the emotions, the feelings. Et la volonté. And the will. Donc le gros cercle c'était l'intelligence. So le petit cercle accroché à côté était la volonté et les émotions. So the big cycle was the intelligence, and the two small cycles at the hand was will and emotions. Il dit deux médecins, deux docteurs peuvent se battre comme des petits enfants. He said two medical doctors can fight like small child. Il dit que deux médecins s'étaient battus. Il y a un était chirurgien, il s'est fait casser la main. He said that et il a fait six mois sans opérer quelqu'un. Two doctors fell and one broke his hand, and the other one spent 6 months without operating someone. The big heads. Les petites émotions. With small emotions. Tu peux, quelqu'un peut violer un bébé, il tremble avec le péché comme un esclave, et puis il tombe. Someone can tremble with a sin like a slave, and he falls. Sans volonté. With no will. Il dit c'est plus fort que moi. He says it's over me. En allant à Atiekwa. While going to Atiekwa. Dans le renversement des idoles. In the overthrowing of principalities. Dans le combat contre les idoles. In your fighting against the idols. Programme une rencontre avec quelqu'un. Parle-lui de toi-même. Plan a meeting with someone and tell him all about you. Ne lui dis pas comment tu as prié. Dis-lui que don't voici là où je peux mourir. Don't tell him how you pray. Tell him this is how I can die. Que je lutte, je tombe. Personne n'est au courant. And I fall down. I fight and fall down. No one is aware of it. Tu vas entrer à Atiekwa dans la victoire. Tu sortiras dans la victoire. You will enter Atiekwa in victory and you go out of Atiekwa in victory. Il y a une sœur, la sœur Thérèse. Where's the sister, Sister Terry? On avait chassé des gros démons. We had casted out big demons. Ils m'avaient attaqué. Even one attacked me. Et Jésus l'avait vaincu. And Jesus overcame him. On croyait que c'était fini. We thought it was finished. Un jour, one day, elle me dit que Dieu lui a dit de raconter sa vie, de dire tout. She told me that God has told her to tell all her life, to say everything. Écoutez ça très bien. Listen it carefully. La plupart des choses que nous pratiquons, ce sont des révélations directes venues de Dieu lui-même. Most of the things that we do are direct revelation coming from God himself. Dieu lui a dit, God told him, dis tout. Say everything. Je voulais lui dire, non, tu es sauvé. I wanted to tell her, oh, you are saved. Dès que j'ai ouvert la bouche pour lui dire de laisser, ce n'est pas important. Le Saint-Esprit me dit, laisse faire. As soon as I opened my mouth to tell her, this is not important, the Holy Spirit told me, let her talk. Laisse faire. Elle s'est tenue, c'était une veillée. Elle a dit tout. It was a night watch. Je dois. She said, I did this, I put my fingers down. Amen. Amen. Le lendemain. The following day. Une guerre a commencé. A war started. Le dernier gros démon qui it était the last big demon. Et nous nous sommes mis à le chasser. And we start casting. Sors. Go. Il se bat. He fights. Qui es-tu? Who are you? Magie blanche. White magic. Je viens de loin. I come from far. Comme elle était dans un état second, on ne pouvait pas l'interroger. How she was in another state, we could not ask her. On a jugé. We judged. On dit, bon, prends ton tablier, va-t'en. We said, take your apron and leave. Il est parti. He left. La sœur se réveille. The sister woke up. Qu'est-ce qui ne va pas? Le tablier, c'est quoi? Il dit que mon père était cuisinier chez les Blancs. And we ask her, what is this apron matter? She said, my father was a cook at the White House. Et j'ai son tablier dans ma valise.
I still keep his apron in my suitcase. On a descendu la valise. Put it down. On a fouillé. We check. Ça a disparu. It has disappeared. Mais elle est restée authentiquement délivrée. But she remained genuinely delivered. Quand le Saint-Esprit a conduit une telle opération. When the Holy Spirit has led such operation. Avant de dire à quelqu'un, ne dis pas tout, il faut faire attention. Before telling someone, don't say everything. Be careful. Tu peux servir Dieu avec la tête. You can serve God with your head. On sert Dieu avec l'esprit. But we serve with the Spirit. C'est avec l'esprit qu'on touche les révélations. It is with the Spirit that we touch the revelations. Et c'est l'esprit qui conduit directement dans la victoire. And it is the Spirit which led directly to victory. Directement. Directly. Dans la victoire. In victory. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il faut s'ouvrir. You must open your heart. Quand on nous a déclarés comme missionnaires, as we were appointed missionaries, j'ai pris une feuille. I took a paper. J'ai écrit dessus tous les péchés que j'avais commis après ma conversion. I wrote on it all the sins that I had committed after my conversion. Je ne vivais pas dans le péché. I was not living in sin. Je me disais, I told myself, quelqu'un qui veut m'envoyer en mission doit savoir ce que j'étais avant et ce que je suis aujourd'hui. Someone who wants to send me on mission should know what I was in the past and what I am today. C'est très important. This is very important. Et je lui ai envoyé. And I sent it to him. La dissimulation. Hiding things t'empêche de marcher dans la lumière. Prevent you from living and walking in light. T'empêche de vivre dans un esprit de vérité. Prevent you from living in a spirit of truth. Cette année doit être une année de grand réveil. This year should be a year of great revival. Vous savez, pour créer le monde, l'acte 1 de Dieu, c'est que la lumière soit. You know, to create the world, the first action of God was let the light be. Que la lumière soit. Let the light be. On commence la marche chrétienne dans la lumière et par la lumière. We start the Christian walk in light and true light. Ça, ce sont des choses que les pharisiens ne peuvent pas avoir. These are things the Pharisees cannot have. Les pharisiens peuvent lire la Bible. Read the Bible. Les pharisiens peuvent prier. Pharisees can pray. Les pharisiens jeûnent. Pharisees sing. Mais la vérité. But truth. La lumière, la transparence, la miséricorde. Light, transparency, and mercy. Ont dépassé les pharisiens. Has gone beyond Pharisees. Ils sont morts. There are dead and there are hypocrites. C'est-à-dire dissimulateur. That means they hide things. Un jeune homme qui commet le péché. A young man who commits sin. Et qui cache. And hide it. Se fait un grand mal. He is doing wrong to himself. Il affaiblit la jeunesse. He has lost. Il affaiblit la jeunesse. He is weakening the youth. Mais un jeune homme. But a young man qui marche dans la lumière, who walks in light, est une puissance. Is a power. L'Église peut se reposer sur lui. The church can lay on him. Il y a des gens qu'on appelle les piliers, les there colonnes. Are, there are people called pillars. Pour s'en sortir, il doit confesser. To succeed, they must confess. Et sortir de là. And get out of there. Écoutons le Saint-Esprit. Let us listen to the Holy Spirit. Nous devons conduire les gens à la repentance. We must lead people to repentance. Les exhortant à établir une liste claire autant que possible des péchés qu'ils reconnaissent avoir commis. Advising them to have a list as much as possible of the sins that they have committed. Les aidant à les confesser.
helping them to confess them. Et à les abandonner. And to forsake all of them. Et à faire des restitutions. And to make restitution. Dans la repentance. Into the repentance. Il y a certains péchés qu'on ne peut pas cacher. There are some sins that we cannot hide. Toutes les actions qui humilient le corps de Christ, des scandales. All the scandals. Tous les scandales. The action which humiliate the body of Christ. Si tu convoites une femme, tu gères ça toi-même. If you are envying a wife, a lady, you can manage it yourself. Tu ne lui dis pas. You don't tell her. Tu gères ça. You manage it. Mais si tu couches avec elle. But if you sleep with her. Tu dois dire. You must say it. Au moins à une personne. At least to one person. Qui a l'autorité sur toi. Who has authority on you. Les homosexuels qui ont été délivrés et qui sont tentés. Homosexuals who has been delivered and are still tempted. Doivent exposer leur lutte. Must expose, must tell their fight. Pour qu'on les aide avant qu'ils ne disent qu'ils s'en vont. Certains vont dire qu'on n'est même pas ici. Ah, quand tu es sage, tu sais que son amour là, n'est pas pur. So that they don't say I am leaving, because some can say they don't love me. But when you watch, you can notice that this love is not pure. Quelqu'un qui a acheté un diplôme. Someone who has bought a diploma. Et il travaille. And is working. Je dis bien, il a acheté, pas qu'il a triché, il a acheté. I'm saying that he bought it. I'm not saying that he passed it. Si tu as triché, tu as un diplôme. If you cheated and you have a diploma. Tu te repens, tu gardes le diplôme. You repent and you keep your diploma. Pourquoi? Why? Parce que tu as le niveau. Même quand tu as triché, tu as le niveau. Even if you cheated, you have a level. Donc il faut savoir faire des restitutions. So you must know how to do the restitution. Mais si tu as acheté un diplôme, but tu n'as même pas le droit de l'utiliser. The diploma, you don't have the right to use it. Tu ne caches pas. You don't hide. Des péchés comme la masturbation, on ne lutte pas avec ça seul. Même si things like masturbation, you don't fight with it alone. C'est une abomination. It's an abomination. Ce sont les péchés que le diable enseigne. There are things that the devil teach. Si on te dit les objets que les gens utilisent pour se masturber, tu sauras que c'est une armée de démons qui est derrière ce péché-là. If you are taught the things that people use as bait themselves, you will understand that it's an army of demons which are behind. Il y a les péchés qui portent atteinte au corps. There are sins which hurts the body. Si deux frères se bagarrent ici maintenant. If two brothers fight quarrels here. Ils doivent à chacun de nous la repentance. They owe each of us repentance. Parce qu'ils nous ont scandalisés. Because they have made a scandal before us. Ça sort l'église des ténèbres. This remove the church from darkness. Vous notez ceci. Understand. La volonté de Dieu. God's will. Est que le pécheur sorte, que les pécheurs sortent des ténèbres. Is that the sinners get out of darkness? Et marchent dans la lumière. And walk into light. Qu'ils sortent des ténèbres. They get out of darkness. Ils marchent dans la lumière. And they walk into light. On commence la vie chrétienne dans la lumière. We start the Christian life into the light. On sert Dieu. We serve God. Dans la lumière. Into the light. Lis pour nous 1 Jean 1 verset 5 à 10. C'est que Dieu est lumière. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous
si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Amen. Alléluia. Amen. Si tu commets un péché, if you commit a sin, après la vraie repentance, after the true repentance, il faut confesser. Please confess it. Dieu l'abandonne. And you forsake it. Dieu va te pardonner. God will forgive you. Il ne faut jamais penser que tu es sans péché. Never think that you are without sin. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Tu dois même prier comme David que sonde-moi. Tu dois demander à Dieu de t'éprouver pour que tu connaisses tes pensées. You must pray like David, telling God, check me. You must pray and tell God to test your thoughts. Et si tu es même bon, so if you are good, tu n'auras pas besoin de te sonder. Isaïe dit, nos péchés sont avec nous. You will not need to be checked. Nous les connaissons. Isaiah said that our sins are with us and we are aware of all of them. C'est déjà là un certain degré de lumière. Nous les connaissons. It's at this level a certain degree of light. Ne donne pas le travail inutile à Dieu. Sonde-moi, Seigneur, alors que tu sais. Do not harden the work to God, telling him, test me, try me, check me, while you know. Tu sais que tu as de la haine, mais c'est couvert. You know that you have hatred, but it's covered. You hide it. Tu embrasses tout le monde gentiment. You embrace everybody. Mais ce n'est pas vrai. But it's not true. Tu as caché ta haine. You have hidden your hatred. Il y a des gens qui cachent la rébellion. There are people who hide rebellion. Tu ne peux pas imaginer que si on fait un recensement des rebelles, que leur nom va sortir. Tu ne peux pas. You cannot imagine that if they register the rebels, their name will be on the list. Il y a des gens qui dissimulent la déloyauté. There are people who hide disloyalty. Tu ne peux pas imaginer. You cannot imagine que son cœur est déloyal. That his heart is disloyal. Pour être délivré. To be delivered. Tu confesses la dissimulation. You confess the fact of hiding. Tu confesses la déloyauté. And you confess disloyalty. Tu es délivré. You are delivered. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de péché. C'est un mensonge. He said we cannot say that we are without sin. It's a lie. Laissez les gens se moquer de nous. Let people laugh at us. À la fin du monde. At the end of the world. La grande vérité sera connue. The great, the big truth will be known. Il y a des gens qui disent, oh, vous êtes là toujours en train de demander pardon. Ça c'est la loi. Oui. There are people who say you are always begging for pardon. This is the law. Oui. Yes. Il faut continuer. Keep doing it. Dieu aime ça. God loves that. Il dit heureux ceux qui lavent leurs robes. He said happy are the ones who wash. Pour pouvoir passer par la porte de la ville. To be able to enter through the door of the town. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 20 à 21. Let us read the second book of Corinthians chapter 12. Verse 20 to 21. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Amen. For I am afraid that when I come, I may not find you as I want you to be, and you may not find me as you want me to be. I fear that there may be discord, jealousy, fit of rage, selfish ambition, slander, gossip, arrogance, and disorder.
I am afraid that when I come again, my God will humble me before you, and I will be grieved over many who have sinned earlier and have not repented of the impurity, sexual sin, and debauchery in which they have indulged. Amen. Amen. C'est une expérience douloureuse que Paul a eu à vivre ici. It's a painful experience God Paul went through. Les frères de Corinthe ne savaient pas confesser leurs péchés. Of Corinth didn't know how to confess their sins. Et ils ne savaient pas se repentir. They didn't know how to repent. Ils péchaient. They used to commit sins. Ils péchaient seulement. They just sinned. Lors de la première visite de Paul. Visit of Paul. Quand Paul est arrivé. When Paul arrived. Dieu lui a dit, tu vois tes enfants là. God told him, look, see your children. Regarde les péchés dans lesquels ils vivent. See the sins in which they are living. C'est Dieu qui lui a révélé et ils ont caché. Dieu lui a révélé. It was God. L'état spirituel des Corinthiens. Who revealed to him the spiritual state of Dieu, the Corinthians. Dieu l'a humilié. They heard it. He said that God humbled him. Où sont les croyants? Where are the believers? Where are they? Où sont les gens qui vivent dans la vérité? Where are people who live into the truth? Maintenant, deuxième voyage. Now he's getting ready for a second trip. Et se souvient. And he remembered. De la douloureuse expérience. The painful experience. Il dit, je crains. He said, I am afraid. Quand je vais arriver. That when I will arrive. Dieu va encore m'humilier. God will again humble me. En me montrant les gens qui ont volé, qui n'ont pas confessé. By showing me people who have robbed, ils se sont querellés. Who quarreled. And have not repented. Cité, they have committed impurity. Ils ne se sont pas repentis. They have not repented. Ils ont commis l'impurité. They have committed impurity. La duplicité. Duplicity. Ils ne se sont pas repentis. They have not repented. Et dit, c'est ce que je crains maintenant. He said, it's what je veux I venir. Am afraid vous of. Êtes mes enfants. I want to come to you. Mais you are my children. Bat, mon cœur bat. But my heart is beating. À la pensée que vous n'êtes pas dans la lumière. At the thought that you are not into the light. Et que dès que je vais arriver, Dieu va me montrer. And as soon as I will reach votre, you, God will show me votre comportement. Your behavior. Avec Dieu dans la lumière. We walk with God into the light. Tu tombes. You fall down. Tu te repens. You repent. Tu fais des restitutions. You make restitutions. Tu continues. And you keep walking. Tu continues. You keep walking. Et beaucoup ont volé les choses comme les dîmes. Et puis, ils n'ont pas prévu les restitutions selon la parole de Dieu. Many have stolen things like the tithe, but they have not planned restitution according to the word of God. Ce que tu as volé là, tu dois restituer, tu dois remettre. What you have stolen, you must refund it. Ne te réjouis pas que... On a parlé de la dissimulation et c'est fini. J'ai dit. C'est do fini. Not rejoice about the fact that we have talked about dissimulation and this is finished now. Tu restitues. You restitute. J'avais dit à une sœur. I told a sister. Je lui ai dit, je te connais. I told her, I know you. Tu aimes Dieu. You love God. Je lui ai dit, même si tu rétrogrades. I said, even if you backslide, paye toujours ta dîme. Always, même je te dis la même chose. Always pay your tithe. I'm telling you the same thing. Parce que quand tu vas te repentir, because when you will repent, les choses ne vont pas s'arrêter à la repentance, à la confession. Things will not stop at the repentance and the confession. Tu devras restituer ce que tu as volé dans le rétrograde. You will have to restitute all that you stole while you were a backslider. Dès qu'il
sont un peu en colère, ils ne paient plus la dîme. Je suis fâché, je ne paie plus. Because there are people who are used to the fact that as soon as they got a wife angry, après, quand ils sont contents, ils commencent à payer. And when they are happy, they start paying it. Sans penser à la restitution. Without thinking about restitution. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il nous faut une guerre radicale. We need a radical war contre l'hypocrisie, against hypocrisy, la dissimulation, dissimulation, hypocrisy, dissimulation. Ça, c'est les péchés des pharisiens. These are the sins of Pharisees. C'est comme si nous entrons dans une campagne. It's like we are going through a campaign. Chacun dit, il faut que je sorte des ténèbres. Everyone should say, I should get out of darkness. Je sors des ténèbres. I must get out of darkness. Que la lumière soit. Let the light be. La lumière fut. And the light was. Et tu commences une nouvelle vie. Start on a new fort life. Dans la lumière. You are strong into light. We are strong. Dans la transparence. In transparency. Si tu non. Wise. Il y a l'anecdote du canard. There is a matter of a duck. Quelqu'un avait volé un canard, son collègue a vu. Someone stole a duck and his colleague saw him. Son collègue lui dit, je vais dire. He said, I will say, I will tell people. Il dit pardon, ne dis pas pardon. He said, please don't say, don't tell people. Il a commencé à le manipuler. So it starts managing. Il dit, porte ça. He said, show this. Dès qu'il veut refuser, dit que le canard. As soon as he wants to refuse, he say, remember the dog. Il tremble, il fait. He trembles and he does it. Il est devenu l'esclave de son collègue. He has become the slave of his colleague. Dès qu'il veut refuser quelque chose. As soon as he wants to refuse something. Il lui dit le canard. He said, remember the dog, the dog. Il dit pardon, pardon. He said, please, please. Il exécute. And he does it. Il était maintenant misérable et fatigué. He was now tired and miserable. Un jour, il a dit. One day he told him. Moi-même, je m'en vais dire. I myself going to tell. Il est parti en tremblant. He went trembling. Il a dit à son patron. He told his boss. J'avais volé un canard. I had stolen a duck. Son patron a pardonné. His boss forgave him. Le gars est revenu. He came back. Son ami, son collègue vient se présenter. His colleague toi, la fesse, came. He said, do this. Je ne fais pas. He said, I won't do dit, it. Le canard. He said, remember the dad. Il dit, va dire. He said, go and say. I've already told them. Il fut délivré. And he was delivered. Ta conscience. When the devil is handling your conscience. Il faut aller chez ton frère. Go to your brother. Tu dis, voici ce que j'avais fait. And say, this is what I had done. Le diable tombe. The devil falls. Tu entends, je viens de loin. Zéro, il vient de loin. Là, il n'avait plus d'appui. You can hear, I'm coming from far. This is nothing. He was saying that, but he had no support. Les baobabs tombent. The baobab fall. Sous la transparence. Under transparency. Tombe. They fall. Ils n'ont plus de force. They have no more strength. Beaucoup de péchés non confessés. Many non-confessed sins. C'est le résultat de la dissimulation. It's the result of dissimulation. Si tu commets un péché. If you commit a sin. Tu te caches. And you hide yourself. Tu vas commettre un deuxième. You will commit a second one. Et un troisième. And a third one. Et un quatrième. And a fourth one. Jusqu'à l'égarement. Till you go astray. La dissimulation. Dissimulation. Doit être confessée. Should be confessed. Et abandonnée. And forsake. Partout. You can meet it everywhere, wherever it lies. Pour vivre dedans, tu prends la dissimulation, tu couvres. To live into it, you take dissimulation and you cover it. C'est pour ça qu'on dit que c'est le vice de celui qui cache. This is why we say it's the vice of the one who hides. Une couverture
sale. It's a dirty sheet. Pour couvrir tout ce qui est sale. To cover all that is dirty. Que quelques personnes viennent supplier Dieu. Let some people come and plead God. Tu es la lumière. Et tu veux que je marche dans la lumière. Tu veux que mes frères et moi, nous marchons dans la lumière. Seigneur, je prie que la puissance que tu as libérée ce soir, en nous rappelant ce que c'est, la dissimulation, en nous rappelant le chemin par lequel nous devons marcher dans la victoire, que cette puissance, Seigneur, ne nous donne pas de repos. Oh Père, je prie, la balle est de mon camp, la balle est dans le camp de mon frère et de ma sœur. Tu veux qu'on parle. Tu veux. Oh Seigneur, accorde-nous de ne pas rater cette opportunité, de ne pas manquer cette occasion, Seigneur. Je te supplie, oh Dieu. Et je crie à toi pour les cœurs, pour aller droit au but. Et je prie à toi, Seigneur, pour les cœurs qui peuvent se tenir devant la lumière, la transparence. Au nom de Jésus-Christ, amen. Oh Père, merci de te tenir avec nous dans la préparation de cette croisade. Parce que Père, tu es en train de nous dire que tu es déjà dans la croisade. Seigneur, merci. Oh, je prie. Je prie que tu accordes à chacun de nous, Seigneur, de se tenir devant toi immédiatement dans les maisons, dans les assemblées, dans les églises, dans les régions. Oh Seigneur, que ce soit une obéissance immédiate, une obéissance spontanée, oh urgente Seigneur, que nous soyons saisis Seigneur, du fardeau de nous repentir, de l'urgence de nous repentir et d'apporter la lumière dans nos vies, dans nos maisons, dans nos ministères. Seigneur, que le dirigeant se tienne devant son assemblée, que le disciple se tienne devant son frère des disciples. Oh Seigneur, dans un cœur de contrition, d'humiliation, d'humilité Seigneur, pour libérer Seigneur tous les péchés Seigneur, que tu sois rendu roi, maître Seigneur de nos vies, que ta lumière descende. Oh Seigneur, s'il te plaît, accorde la puissance à tous les frères partout. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous te disons merci Seigneur. Nous comprenons Seigneur que tu veux nous délivrer, que tu es vraiment engagé pour cette année dans la croisade de la principauté à visiter ton peuple. Et tu nous prépares déjà Seigneur. Je prie pour ma part à m'engager dans cette campagne contre la dissimulation, pour la transparence, pour la lumière. Je m'engage à aller voir mon frère disciple pour exposer tout ce qu'il faut être exposé. Et je prie, Seigneur, que tu accordes à tous les frères de s'engager résolument dans la transparence, dans le fait d'exposer tout ce qu'il faut exposer, sans rien cacher, et que l'orgueil soit renversé, que l'orgueil soit renversé, que tu nous donnes l'humilité pour nous rabaisser, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux te dire merci pour cette campagne contre la dissimulation que tu as ouverte, que tu as lancée, Seigneur, cette nuit. Je prie, Père, je prie pour moi. Je prie que tu m'accordes, Seigneur, de m'ouvrir à toi, Seigneur. Que c'est la lumière qui doit être. Doit de paraître la lumière, de me faire connaître, Seigneur. Oh Dieu, je prie, Père éternel, que le cri de chaque saint soit, il faut que je sorte des ténèbres. Il faut que je me fasse connaître. Il faut que je sorte des ténèbres. Je prie, Seigneur, que tu nous bénisses. Oh notre Dieu, du plus grand au plus petit, je prie que la dissimulation, Seigneur, le désir de sortir des ténèbres possède nos cœurs, nos pensées. Je t'en supplie, afin de mettre fin à toute forme de dissimulation, d'hypocrisie dans laquelle nous avons vécu, dans quelque péché que ce soit. Seigneur, nous te supplions, afin que la lumière, la victoire dans laquelle tu veux introduire l'Église, Seigneur, soit totale dans chaque ville, dans chaque assemblée, Seigneur, dans chaque famille. Seigneur, s'il te plaît, triomphe dans nos cœurs, triomphe, Seigneur, et renverse toutes les luttes, oh notre Dieu, triomphe, s'il te plaît, et que la lumière soit. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Seigneur, nous te disons merci. Je te dis particulièrement merci, Seigneur, parce que tu me dis ce jour que la dissimulation m'empêche de marcher dans la lumière, que la dissimulation m'empêche de marcher dans la vérité. Oh Seigneur, j'ai compris. J'accepte ce jour, ce message, cette perche que tu m'étends. J'accepte de quitter la dissimulation. J'accepte, Seigneur, d'abandonner l'hypocrisie. Et je viens, Seigneur, pour ma part, m'engager d'une manière résolue à faire toutes les restitutions qui s'imposent dans ma vie pour sortir des ténèbres. Oh Seigneur, je veux sortir des ténèbres. Je veux sortir des ténèbres. Et je ferai ces restitutions au nom de Jésus-Christ. Je prie pendant que tu nous parles, que tu nous visites. Visite chacun de nos cœurs, afin que tous les cœurs dans les ténèbres, Seigneur, reviennent à la lumière. J'accepte de revenir à la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le brisement. Brokenness. Si tu veux marcher dans la lumière, if you want to walk into the light, il faut combattre l'orgueil. You must fight against pride. Le moi. The self. Ce que je suis en train de dire est un message que le frère Zach avait donné. Is a message Brother Zach gave. Le titre. The title. C'est le brisement. Is brokenness. Et la marche dans la transparence. And the walk into transparency. Pas de brisement. No brokenness. Il est impossible de s'ouvrir. With no brokenness, it's impossible to open yourself. Et la parole de Dieu nous dit. And the word of God says, ayez en vous, let be in you, la pensée, les sentiments qui étaient en Christ, the thought and the feelings which were in Christ. Le ministère du Seigneur Jésus, the ministry of the Lord Jesus, était fondé sur le brisement, on brokenness, le renoncement total, the total denial, l'humilité. Humility. Il s'est dépouillé lui-même. He deprived, he denied himself. Il s'est rendu serviteur. He made himself a servant. Il s'est rendu obéissant. He made himself obedient. Il a accepté la mort de la croix. He accepted the death on the cross. Le moi veut qu'on croie. The self que tu es grand. Wants us to believe that we are great. Et le moi te dit. And the self tells you. Ne t'ouvre pas. Do not open yourself. On va te mépriser. You will be despised. Ne t'ouvre pas. Do not open yourself. On va te mépriser. You will be despised. Je me souviens, j'ai dit aux académiciens. I remember I told the academicians. Qu'un jour. One day. Je gardais l'argent de l'impact. L'impact était un groupe de prière. I was keeping the money of a group of prayer. Donc quand on cotisait et puis on achetait la nourriture et so, je gardais le reste. We used to give money to buy food and I used to keep the rest. Un jour j'arrive. One day I arrived. Je trouve une quittance. C'était un vendredi. I found a rent. To be paid. Je me suis dit, il faut que je paye. J'ai trouvé une quittance d'eau. A water bill. Et je me suis dit, comme je n'ai pas le temps, je paye. Je veux restituer lundi. And I told myself, as I don't have autant time, d'aller à la banque. I will pay it, and on Monday I will refund it. J'ai payé, c'était 35 000. J'ai it was pris. 35, lundi, j'ai fait le retrait, j'ai remplacé. I paid the bill and on Monday I remove cash from the bank and I replaced it. Mes finances ont dégringolé. My finances got down. Des engagements se multiplient. Commitment multiplies. Je suis célibataire mais I am single but. Après quelque chose m'a dit, l'argent que tu as pris là,
Later something told me the money you took. Le geste était simple, prendre, mettre et puis restituer. The gesture was simple, avec take noblesse. It and refund it with a promise. Ce n'était pas de la convoitise, ce n'était pas le vol, c'était. It was not envy, it was not bribery. J'ai payé, I just took the j'ai money, restitué, I paid, à temps. And I refund it on time. Et le Saint-Esprit me dit, c'est la source and du désordre. The Holy Spirit told me, it's the source of your troubles. Va dire à ton faiseur de disciples. Go and tell your disciple maker. Donc je suis allé. So I went. Je trouve maman Colette assise. I found mommy Colette sitting. Je dis à mon faiseur de disciples que je suis venu te voir. I told my disciple maker that I've come to meet you. Or, le dossier était sur la table. While the file was on the table. Je crois que elle ne savait pas. She was not aware. Donc, comme je voulais parler, elle voulait se lever pour sortir. Je lui ai dit non, assieds-toi. Quelque chose me disait que il faut qu'elle entende. Si elle doit dire non, il faut qu'elle entende ça maintenant. When I wanted to speak, she was about to leave. I said, no, stay here. Donc, and something told me she must be aware of it right now. J'ai raconté ma petite vie là. I told my small mais Dieu a veillé. Story, but God. Acclamation à Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Le moi. The self. Pouvait me dire, hey. Could have told me. Qu'elle parte même loin. Let him go far. Qu'elle sorte même de la maison. Let them get out of the house. Parce que les murs, dit-on, ont les oreilles. Because the walls have ears. Il faut faire attention. Be careful. L'orgueil. Pride. Peut t'amener loin. Can, peut t'amener très loin. Can send you very far. J'ai reçu que non, elle doit rester assise. I received that she must stay. Il faut qu'elle te connaisse there. Comme un voleur. She must know me as a thief. C'est mieux comme ça. It's better like this. Que de faire le gros intelligent. Instead of the big intelligent one. Et un jour, elle découvre que. And one day she will discover that. Je suis capable de dire que 10 000 francs égale 1000 francs. She will discover that I am able to say that 10,000 francs is equal 1,000. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? C'est une campagne. It's a campaign. Ouvre-toi. Open yourself. Renverse la dissimulation. Overthrow dissimulation. Je peux dire que c'est la reine des idoles. I can say that it's the queen of the idols. C'est elle qui produit l'hypocrisie. She's the one who produces hypocrisy. Tu laisses la magie, tu laisses la sorcellerie, tu laisses l'adultère, tu laisses le vol. Mais la dissimulation va te détruire. You stop magic, you stop witchcraft, but dissimulation will destroy you. Proclame Proclaim que la lumière soit. That let the light be. Et la lumière va entrer. And light will enter. Écris les gens que tu dois rencontrer. Write the list of people you must meet. Write them names. Laisse l'orgueil. Leave pride. Ouvre-toi. Open yourself. Le baobab va tomber. The baobab will fall. Le baobab. Ce que je dis. What I'm saying. Certains ont déjà emprunté ce chemin-là. Some have already gone this way. Gardez-le. Keep it. Si tu es pasteur. If you are a pastor. Que tu protèges les armes que Dieu t'a données. And you are protecting the weapons that God has given you. Tu leur dois la discrétion. You are protecting the souls that God has given you. You owe them discretion. Ce n'est pas ça qu'on appelle la dissimulation.
This is not what is called dissimulation. La discrétion est une puissance. Discretion is a power. Qu'il faut à tout berger. Which is needed for all shepherds. Quelqu'un te dit. Someone tells you. J'ai telle maladie. I have this kind of sickness. Prie pour moi. Pray for me. Dès que tu as prié, c'est fini. As soon as you have prayed, it's finished. S'il entend quelqu'un lui demander, est-on mal là? If he hears someone asking him, what about your disease? Le pasteur a prié pour toi là, c'est fini. The disease about which the pastor prayed for you. Tu as perdu ton ministère. You have lost your ministry. Tu as perdu. You have lost. Ce n'est pas ça qu'on appelle la transparence. This is not what is called transparency. Comme quand tu es indiscret, tu es malade spirituellement. It's like when you are not discreet, you are spiritually sick. Tu es mauvais berger. You are a bad shepherd. On ne doit même pas te confier une âme, même une seule. They should not even entrust you a one soul. Il faut être capable. You must be able. De garder le secret. To keep the secrets. Ça n'a rien à voir avec la dissimulation. It has nothing to see with dissimulation. La dissimulation, c'est un vice, c'est un péché. Dissimulation is a vice. Qui consiste à couvrir un autre péché. Which consists on covering another sin. La haine est cachée sous la dissimulation. Hatred is hidden under dissimulation. Si on te dit que c'est ton ennemi, tu peux jurer que non, tu peux même parier. If I tell you that this one is your enemy, you can even swear. Tenons-nous debout. Let us stand up. Et les gens qui aiment donner certains conseils. And people who love to give some advice. Et dit ne dis à personne. And they say, tell no one. C'est un péché. It's a sin. Ça reste entre nous deux. It stay between you and I. C'est un péché. It's a sin. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Un frère avait dit à une sœur, je vais t'épouser, mais ne dis pas ton faisant de disciple. As a brother or a sister, I want to marry you, but don't tell your disciple maker. Heureusement que la petite était intelligente. I believe the girl was intelligent. Elle a dit qu'elle a passé, je crois, deux ou trois jours troublés. Comment elle va garder sans dire? She said that she spent two or three days troubled. How could she keep this elle without venue, telling people? Et puis elle est venue dire. And she came and said. And she came and told. Prions ensemble. Let's pray together. Prions que. Let's pray that. Ce travail fasse partie des choses que Dieu veut voir l'Église faire pour libérer la bénédiction. Let's pray that this work be part of what God wants to see the church do to release blessing. Le Seigneur a demandé qu'on prie pour l'Église en tant qu'une famille. The Lord has asked us to pray for the church as a family. Prions que la dissimulation soit écrasée. Let us pray that dissimulation should be crushed down. Que les vies, les voies soient libérées. That all the ways should be released, opened. Que la puissance du Saint-Esprit descende. That the power of the Holy Spirit calm down. Prions en langue. Let us pray in tongues. Intercédons pour toute l'Église. Put up your hand and let us intercede for que ce the whole soit une church. Campagne, une campagne. Let it be a campaign.
Contre le mensonge. Against liars. L'hypocrisie. And hypocrisy. La dissimulation. And dissimulation. Crions à Dieu. Let's pray. Oh Père, je plaide que tu agisses du nord au sud, de l'est à l'ouest, que ce soit une campagne dans les assemblées, dans les maisons, dans les églises, dans les régions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, oh Père, oh Father, rends la marche dans la lumière possible. The walk into the light possible. Là, let us continue praying in tongues. Amen. Amen.